So our next speaker is Daniel Pearl. Le prochain conférencier est Daniel Pearl qui va nous présenter son projet. Alors Daniel Pearl a cofondé l'OFF, l'Office de l'éclectisme urbain et fonctionnel, en 1992, en vue de concentrer ses activités dans le domaine de l'architecture durable et environnementale, qu'il s'agisse du choix et de l'analyse d'un site, du développement de programmes et de la planification de collectivités ou d'infrastructures vertes novatrices. À l'échelle de la collectivité, les réalisations de l'OFF témoignent de l'approche équilibrée du groupe pour l'évaluation des multiples facettes d'un projet dès le début. L'expression architecturale, la faisabilité économique, l'analyse du cycle de vie, les techniques de construction ou les impacts environnementaux d'un projet au moyen du PDI, processus de design intégré, qu'on a évoqué déjà plus tôt aujourd'hui. En 2014, des éléments clés de l'œuvre ont été publiés dans un livre. Daniel Pearl et Daniel Wentz l'ont écrit. Ce projet documente 20 années d'expérience compilée par Daniel Pearl. Il part de la complexité de l'objectif vu la fragilité de ses projets dans un secteur parapublic. Il conclut avec l'ensemble d'habitations collectives de grande envergure de l'œuf, Bois-Hélène, en construction à Laval, Québec, où le dernier ensemble d'habitations de l'œuf évolue allègrement vers la norme de maison passive, qui nécessite peu d'entretien et demeure abordable. Bienvenue à Daniel. Cette présentation est presque plus généreuse qu'il n'aurait fallu. Thomas m'a demandé de parler de toutes les leçons apprises et je ne dispose que de 45 minutes. Et si vous voulez en savoir plus sur les leçons apprises, vous devriez lire le livre. Oubliez les 20 premières pages où on parle de tout ce qui est bien. Et commencez à lire à partir de la page 21 et vous familiariseriez avec certains des problèmes. Ce livre a été parrainé parce que c'est la première fois dans leur histoire de 10 ans qu'ils ne parlent pas seulement de l'excellence. On parle de tous les problèmes rencontrés en cours de route. Alors, dans le cadre de ma présentation, nous parlerons de cette histoire de 20 ans. On commence avec Benny Farm. C'était de l'activisme social. Certaines des leçons apprises pour notre projet à Rosemont. Je m'excuse auprès des interprètes parce qu'il faudra que je parle vite pour couvrir toute la documentation que j'ai. Alors, mes excuses pour commencer. Il y a des leçons apprises même de Rosemont et Benny Farm que nous appliquons à notre projet à Laval, Bois-Hélène, au Québec. Mais ce qui distingue mon exposé par rapport aux exposés antérieurs, c'est le fait qu'on travaille pour la collectivité, on veut l'habiliter. On ne croit pas que le marché privé va sensiblement être le moteur des changements en matière de style de vie et de gaz à effet de serre seul. C'est un secteur énorme au Canada, très vulnérable. Il n'y a pas d'histoire d'excellence opérationnelle et c'est un défi très difficile. On veut être écologiquement sensible, mais il nous faut être abordable, flexible et je crois qu'il faut avoir l'excellence architecturale aussi. Alors c'est suicidaire. Une de nos façons de faire, c'est la recherche. Je suis enseignant professeur à temps partiel à Montréal en architecture, ce qui justifie que je passe du temps à de la recherche, que je l'applique et que j'essaie d'en tirer des leçons. Et j'ai très peur lorsque je vois ces genres d'efforts, les gens pensant qu'on va pouvoir régler les problèmes de changement climatique avec des chercheurs qui vont trouver une solution d'ingénieur face à nos défis au lieu de changer notre style de vie. Je ne suis pas contre, mais ça ne me semble pas être une façon très durable d'aller de l'avant. Alors donc, oui, on regarde l'innovation technologique. C'est intéressant. Voici une exposition qui remonte à il y a 15 ans à peu près au Centre canadien de l'architecture. Et vous voyez qu'il y a une turbine au milieu qui ne tourne pas. Et il y a ces moulins qui sont purement décoratifs, qui bougent tout le temps. La turbine a besoin de 20 km pour fonctionner et l'autre, les autres à peu près 5. Alors, je pense qu'il nous faut trouver cet équilibre dans l'innovation technologique.
Nous faisons de la conception intégrée. Cela augmente le coût. Oui, nous allons avoir des gens comme Christian à la table. Nous avons même 3 Christian pour pouvoir les interroger, pour découvrir les choses cachées dans leurs données, pour qu'ils exposent ce qu'ils font vraiment. Et c'est pourquoi nous sommes très attachés à nos ingénieurs, à nos architectes, paysagistes et tous les autres autour de la table, car nous savons qu'il y a énormément de risques avec ces projets. C'est vraiment un exercice de funambule. Ces dernières années, parce que certains clients nous le demandent, nous lançons des projets. Ici, un projet pour aînés à Benifarm. Les aînés passent beaucoup de temps dans leur unité et le confort thermique est plus important, en fait, que leurs économies énergétiques à bien des égards. Nous avons dû aborder la question coût-avantage. Ce que j'apprends, c'est qu'il n'y a jamais d'argent pour l'éducation. L'éducation des habitants, ils changent au fil du temps comment ils exportent et exploitent l'immeuble. On rembourse l'hypothèque financière, mais pas l'hypothèque éducation. Et c'est un élément qu'il nous faudra mieux cerner. Je suis très fière que des endroits comme le Centre canadien d'architecture est tenu un lancement pour le livre. Joe Lopko est venu de Toronto. La fondatrice de la CCA, Florence Lambert, Madame Hott, qui exploite un abri pour femmes sans abri à Montréal. Et il faut couvrir tout le spectre. C'est très important pour moi. Thomas Homer Dixon, bien connu dans beaucoup de milieux au Canada, a parlé du positif dans la crise, le fait qu'on manque de résilience, ça crée des possibilités de rebâtir, en fait, notre infrastructure. Et Ronald Wright, un historien qui habite au Canada, dit que la connaissance technologique est là. On n'a pas besoin de plus de technologie. On a juste besoin d'examiner nos valeurs socio-économiques et culturelles pour assurer un équilibre. Donc, je suis très honorée lorsque, après une présentation très technique et très longue qui est au cœur de tout le travail, il faut faire le technique, mais à la fin, on est applaudi par ces autres. Et j'obtiens les subventions gouvernementales pour nos projets de logements sociaux. Mais moi, je dois aller chercher d'autres subventions pour assurer le suivi des projets. C'est assez bizarre et c'est un élément important du projet Equilibrium. Vous n'aviez d'autre choix que de contrôler. Et dans la plupart de nos projets, c'est grâce à la Société d'habitation du Québec et de la Société canadienne d'hypothèque et de logement qu'on a de l'aide et c'est très important. Je passe beaucoup de temps du côté théorique, les cadres pour la durabilité, il y a toute cette idée de développement net positif qui est une notion plus porteuse que net positif énergétique. Je n'aurai peut-être pas assez de temps pour fouiller ce concept, mais je crois vraiment que c'est ce qui va amener les gens à changer le bonheur et la santé, et pas les économies énergétiques. Donc, la qualité de vie pour les gens avec qui vous travaillez, c'est essentiel. S'il n'y a pas cela, alors on ne travaille pas ensemble. Voici un de mes graphiques préférés. On regarde l'empreinte écologique. Notre droit à l'égard de nos ressources. Avec COP21, on va avoir de plus en plus de débats éthiques sur nos droits quant à la consommation des ressources naturelles qui nous restent et quelles sont les limites pour chaque contexte. Il n'y a pas forcément un équilibre. Il y a de ceux qui ont l'hydroélectricité ou du pétrole, mais ils vivent dans un contexte très vulnérable ou vice-versa. Et toutes ces combinaisons, je pense que nous devrons trouver un cadre qui équilibre les deux éléments et qui examine les modes de vie. Les Premières Nations au Canada sont très importantes et consacrent beaucoup d'efforts à ces discussions. Et en bout de ligne, les gens ne vont pas adhérer à cela.
du fait de se sentir coupable ou du fait de loi. Seul, il faudra une transformation de mode de vie. Il faudra une meilleure qualité de vie, de meilleurs espaces publics. Si vous allez habiter une plus petite maison qui consomme moins d'énergie, vous voudrez avoir un espace public qui compense le fait que vous passez plus de temps dehors. Et il y a de beaux exemples en Europe de ce genre de choses. Alors, voici les trois points rouges. Je vais les parcourir très rapidement, ces projets. Je m'en excuse. Chacun pourrait demander une heure. Chaque projet a une longue histoire. Alors, Benny Farm, c'était le premier, en bas à droite, dans un quartier suburbain, donc des contextes relativement urbains, Rosemont, Bois-Hélène, le long d'une station de métro à Laval. Alors, encore une fois, on pousse les projets pour lesquels il n'est pas nécessaire de compter sur des voitures. Benny Farm, c'était intéressant. C'était l'expérience du Jardinville dans le cœur de Montréal, conçu dans les années 1947, Harold Doran, sur la base de nombreux designs européens. Les villes jardins Clarence Stein du New Jersey offert des combinaisons dans l'État de New York, au New Jersey, des modèles très intéressants pour avoir des espaces verts de qualité, la qualité de l'air et suffisamment de densité. En fait, Benny Farm, c'était un scandale. C'était un projet à trois étages dans un quartier à deux étages. Donc, ça a été construit pour les vétérans qui revenaient après la Seconde Guerre mondiale. Et pour nous, c'était notre première grande leçon. Mon partenaire cofondateur et moi avons voulu travailler surtout pour des femmes dans la cinquantaine qui ont voulu rendre à la communauté et sauver 370 unités qu'elle a démolies. Et la reconstruction a été faite, on a doublé la hauteur, on a privatisé le site. À l'époque, on a été influencé par des gens comme Martha Rossler qui a dit, écoutez, les droits en logement pour les moins fortunés devraient être un droit et pas juste un luxe. Le projet a été très controversé, c'est intéressant. On le décrit un peu dans notre livre. Il y avait les anciens combattants et on leur disait où vous vous installez dans ces nouveaux immeubles sur un tiers du site ou on vous laisse rester dans ces immeubles dilapidés qui n'étaient pas si dilapidés que cela et vous y restez jusqu'à la fin de vos jours. Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de choix, ça a été très difficile pour eux. Il y avait des vétérans qui habitaient l'immeuble, des voisins qui ne voulaient pas avoir de densification et le quartier qui ne voulait pas perdre cette ressource abordable, incroyable. Donc, ça a été un projet très, très difficile. Nos projets ne sont jamais faciles. Voici la longue histoire de toutes les combinaisons, rénovation, démolition, totale, partielle, leçons apprises en cours de route. Je ne peux pas vraiment trop approfondir cela. C'était un combat en trois phases pendant ces 20 ans. Et le dernier combat, c'était davantage cette petite expérience qu'on allait faire. Je pense qu'on a bâti plus de 200 unités sur le site, mais il y a 187 qui devaient basculer vers le projet Equilibrium. Et on avait 26 % du code énergétique. Il y a une quantité d'expériences qui allaient au-delà de l'énergie. Donc, on a créé une organisation sans but lucratif, Benny Farm. On a fait toute la recherche. On voulait que la collectivité s'habilite. On voulait des toits verts, des énergies renouvelables, la conservation de l'énergie, la réutilisation des briques, des bâtiments, le traitement de l'eau de différentes façons sur place. Avec tous ces projets, le plus gros problème, enfin, l'un des problèmes pour l'un des projets, c'était la commission Charbonneau, comme on l'a appris plusieurs années plus tard. Et les autres problèmes, c'était le timing des projets. On a eu l'équivalent d'à peu près 18 % de financement supplémentaire par rapport au logement social régulier. C'est peut-être 15 $ le pied carré. Ça n'est pas beaucoup. Et on voulait faire beaucoup d'innovations, alors que certains des clients avaient le temps et l'énergie pour apprendre et d'autres pas. Et
C'est l'une de nos plus grosses leçons. Il faut avoir des clients très résilients et des usagers très résilients et pas juste des systèmes énergétiques résilients. Et on a eu un problème avec certains des systèmes énergétiques aussi qui n'étaient pas aussi résilients. Alors pour commencer, le design solaire, l'une de nos plus grandes forces, l'échelle humaine. On voulait vraiment parler aux gens dans une communauté de qualité, c'était très important pour nous. Les cibles étaient toujours visibles. Beaucoup du travail. C'était juste dû au dévouement de l'équipe. On enlevait les vieux radiateurs, on les réutilisait. Même chose avec les planchers de bois qui n'existent jamais dans les logements abordables. On a pu les utiliser. Même chose avec les blocs en verre, on les a réutilisés dans la construction, la rénovation. Il est difficile de savoir ce qui est nouveau, ce qui est rénové. C'est très intéressant, le méli-mélo, voir le détail lorsqu'on est architecte, chevronné. Et on luttait contre toute une industrie. Benny Farm, c'était peut-être trop avancé. On avait des entrepreneurs qui ne croyaient pas qu'on pouvait prendre ces vieilles briques et les réutiliser de manière rentable et obtenir un produit aussi bon. Une des petites histoires, on a testé les briques et elles avaient un meilleur rendement que les briques qu'on peut acheter aujourd'hui, mais on ne peut pas obtenir une garantie de 5 ans du promoteur. Mais si on achète les briques de qualité inférieure, on peut obtenir une garantie de 5 ans. Alors, on passe beaucoup de temps à éduquer le client pour ce qui est de la gestion du risque. Il doit vous accompagner. Autre chose de très important, il faut investir dans les espaces publics communs. Ça n'est souvent pas une priorité suffisante dans nos programmes. Et il semble que nous réussissions bien. J'aime beaucoup le projet de Richard Enriquez à Vancouver. Il a convaincu toutes les personnes qui pouvaient avoir 450 pieds carrés de passer à 350. Avec Daley Murphy, il a pris les 100 pieds supplémentaires pour augmenter les espaces communs dans les immeubles. Et c'est drôle parce que les gens ont du mal à se débrouiller avec 1500 pieds carrés. Il est intéressant que dans le monde du logement social, les gens comprennent l'importance des espaces communs. L'occupation, le mode d'occupation, il faut le comprendre. Il faut avoir une résilience. Il faut comprendre la culture aussi. Rien de tout cela ne ressort dans nos calculs net zéro. J'ai passé beaucoup de temps avec nos étudiants doctoraux pour voir comment on pourrait changer la façon dont on envisage les cadres, parce qu'ils sont très déséquilibrés. Mais ce sont souvent des choix architecturaux réfléchis. On anime l'espace au rez-de-chaussée, on le rend plus humain, on célèbre les espaces publics. On fait en sorte que les espaces soient accessibles, animés, aussi vert, aussi divers, avec la biodiversité que possible. Ça n'élimine pas la nécessité des systèmes urbains. L'avantage des programmes de grande échelle, c'est qu'on peut partager le budget de l'entretien des coopérationnels sur une plus grande échelle. À certains égards, on avait ce rêve à Benny Farm. On voit 3 produits, tous interconnectés avec le solaire, le thermosolaire, les systèmes de secours au gaz en cas de problème. Mais la première chose qui a mal tourné, c'est que les 3 projets n'ont pas été construits en même temps. Le projet au milieu a été retardé pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure de 3-4 ans. Et les 2 autres projets n'avaient pas le même genre de clientèle. Alors chacun avait son système géothermique. Et il y a eu de plus gros défis parce que tout le monde ne travaillait pas main dans la main. Alors la première grande leçon, on ne peut démarrer que lorsqu'on a la résilience communautaire, tout d'abord. Ça, c'était une étude très intéressante d'une société allemande, Transolar, au Québec, du fait qu'on est dominé par notre culture de chauffage. On doit comprendre que parfois, on conçoit le solaire thermal, non pas en fonction de la modélisation, mais c'est la résilience qui déverse l'eau chaude l'été dans le sol pour veiller à ce que la chaleur ressorte l'année suivante, vu que le sol gèle selon les aquifères qu'il y a, le type de sol, etc. Donc, il y a eu des leçons vraiment fascinantes.
L'une des parties les plus fascinantes, c'est le jardin communautaire. Les aînés rencontrent les mères célibataires qui retournent à l'école, des adolescentes qui ont besoin de gardiennes. Et les deux ont besoin d'appui et d'aide. Elles se retrouvent et jardinent ensemble. C'est là que les amitiés se forgent. Et c'est l'une des plus belles réussites du projet. Oui, il y a des technologies plus sexy. Le solaire fonctionne toujours. Les panneaux thermiques solaires fonctionnent à différents moments selon le cycle. Elle est dans des immeubles existants et installée. Ce qui peut être une technologie très intimidante, c'est aussi un défi. Je dirais que la meilleure réussite à Benny Farm, c'était apprendre à habiliter la collectivité. Et je pense que dans notre prochain projet, on a visé dépasser le code non pas de 60%, mais de 40%. On ne va pas dépenser 18% de plus, mais 10%. On ne va pas lancer tout le premier jour. On va croître au fil du temps. Et on va laisser le client travailler avec nous et s'habituer au projet sur 3-4 ans avec nous. Après la réussite de Benny Farm, la ville a commencé à intervenir tout de suite. Autrefois, les villes nous bloquaient, hérissaient des obstacles. Il nous a fallu un an entre l'arrêt de la construction jusqu'à ce que la Société d'habitation du Québec ne prévoit un programme innovateur de 10% qui nous a permis de nous lancer dans la deuxième expérience. Et nous avions deux clients, donc une masse de 155 unités. Donc le Coteau Vert avec 95 unités et 60 logements dans un toit pour tous. Tout le monde a été intégré dès le premier jour, des entreprises, des fonctionnaires, les gouvernements. C'était tout un processus merveilleux. C'est tout proche d'un métro. C'est une densification. Le zonage initial ne voulait que 110 unités. Et nous avons dit non, il faut que ce soit une densité bien supérieure. On a rarement des sites aussi formidables dans un cadre urbain. C'était toute une bataille, 6 mois. Il y a eu des ateliers avec des usagers futurs autour de la table. Une des grosses différences, il y avait d'anciens étudiants qui se sont joints à la coopérative, qui nous ont intégrés. C'était vraiment une technique intéressante aussi. Pendant 6-8 mois, il y a eu la lutte pour le zonage pour le parking. On aurait dû avoir 78 places de stationnement et il n'y aurait pas eu d'espace central pour que les enfants jouent, il y aurait juste eu de la place pour les voitures, ça aurait été un désastre. Donc, on a ramené 78 places à 12. Et la moitié des 12 espaces sont pour l'équivalent de Car2Go au Québec. Et les usagers à mobilité réduite, alors en bout de ligne, on a pu faire les deux choses. Donc, on a pu capaciter de l'eau sur place en prévision de pluie au record tous les 100 ans. Et c'est un espace de jeu pour les enfants en même temps. On n'avait pas les moyens financiers, mais on avait un formidable groupe de ressources. On avait donné de notre temps. On a passé beaucoup de temps à éduquer la clientèle future dès le départ pour qu'elle puisse, cette clientèle, adhérer à nos choix. Et on espère que dans le futur, il y aura de l'argent pour éduquer les gens autour de la table dès le départ. Alors oui, il y a deux promoteurs, organisations sans but lucratif et coopératives. L'aménagement paysager devient très important. Le budget pour les logements sociaux au Québec et pour cela est presque nul. Donc, il faut presque trouver des techniques qui contournent les règles pour investir dans les espaces publics urbains. Et ça devient un défi. Autre chose, on voulait que chaque unité, au moins dans le projet coop, ait une ventilation croisée. C'est très difficile. Il y a une logique dans ces couloirs sur le plan financier. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent pour la technologie.
on est censé avoir 10% de plus juste pour des mesures vertes. C'est une mesure verte passive. On peut ouvrir deux fenêtres et faire se déplacer l'air. Alors, comment contourner les règles? Il a fallu déployer beaucoup d'efforts pour contourner les règles des programmes. On pense au départ que les programmes nous aident et les règles, mais à la fin, ils nous nuisent et empêchent le client d'intervenir et de faire de bons choix. Alors, il y a le passif, l'actif, sur le plan des technologies, tout un mélange. On a fait des efforts pour trouver le bon équilibre et le communiquer, éduquer les clients pour qu'ils fassent les bons choix. Et c'était très intéressant pour eux. Ils savaient que les toits verts n'allaient pas sauver beaucoup d'énergie. Christian a amené ça à zéro parce qu'on n'a pas de budget pour la climatisation au Québec. C'était plus l'activisme, le militantisme, le confort et peut-être même la production alimentaire. Ça va être un gros problème. On le savait déjà en 2007-2008. Donc, on a fait un modèle. On l'a montré à 42% et on a montré à quel point le projet pouvait tendre vers le 0% selon l'investissement du gouvernement. Alors, comment un projet peut-il vraiment croître dans le temps? Comment avoir des charges de toit qu'on n'a pas modifiées plus tard? Même chose pour la tuyauterie et le filage pour ne pas avoir à arracher les murs. Pour amener des améliorations. Et les espaces collectifs. Alors, la salle d'ingénierie, sous les zones publiques, on n'avait pas d'argent pour une salle communautaire, mais on avait de l'argent pour le système géothermique. Alors, on a décidé de le mettre sous-sol pour sauver de l'énergie. On avait une structure au sous-sol et une compagnie locale nous a aidés à construire au-dessus. Ça n'enfreignait pas les règles, c'est incroyable. Dès qu'on commence à travailler avec des militants communautaires, leur excitation, leur enthousiasme est formidable. L'un de nos gros problèmes était que les gens qui vont habiter ces projets sont tellement enthousiastes qu'ils sont nos plus durs critiques et leurs attentes sont si énormes. Et il a fallu parler avec beaucoup d'intervenants pour l'aménagement paysager. Il fallait se préoccuper des matériaux, de la simplicité, des solutions à faible technologie. On a, dès le départ, insisté là-dessus. Il y a quelques semaines, on était là avec un invité d'Espagne. Et oui, on fait sécher le linge dehors jusqu'à ce que la neige arrive. On a passé du temps à faire en sorte que ce soit intéressant sur le plan architectural. Et les habitants du projet sont très fiers. Voitech, la SCHL, NRCan, Michel Tardif, puis Hydro-Québec, et Grapp, et beaucoup de gens. Quelqu'un qui fait son doctorat. Tous ces gens-là sont intéressés. On a un design très intéressant pour le suivi. Post-construction, il nous a fallu un an pour apprendre à faire travailler et fonctionner tout le matériel de suivi et de monitorage, de surveillance. Personne ne parle de la difficulté de la surveillance. Les résultats sont arrivés cet été. On est à 45% de plus que le code de l'énergie, mais il faut accepter que ça n'est pas parfait. Si vous êtes à l'étage supérieur, c'est 70% de plus. Si vous êtes à l'étage inférieur, c'est 10%. Au milieu, c'est 40-45%. On commence à comprendre. Comment contrôler ce genre de problème? C'est assez typique avec la construction de demi-étages. Notre projet le plus récent, c'est tout un défi. C'est de l'acier, du béton, la carcasse. Le bâtiment dont Christian a parlé à Vancouver. Il s'agit d'un projet 6 étages, 13 étages, une combinaison à côté d'un métro. Donc, on voit les points bleus. C'est à 12 minutes si on suit toutes les règles. Si vous trichez, c'est 6 minutes. Encore une fois, c'était une grosse considération. Il s'agissait de veiller à ce qu'il y ait
une forte densité. La ville de Laval a changé le code pour ce qui est de la densité autour de toutes les entrées de métro. Et j'ai voulu réduire encore plus notre dépendance à l'égard d'argent. Donc on travaille avec 70% seulement de plus que nos budgets pour le logement social. Donc c'est peut-être les 15 dollars supplémentaires à l'époque de Benny Farm, et c'est plusieurs années plus tard. On a le Y et le XZ. Donc il y aura un côté pour les familles, un côté pour les personnes âgées, une partie pour le parking. Mais ce qui est idéal avec ce projet pour la surveillance future est que dans un projet, il y aura le RY, donc maison passive, le RX, le nouveau climat de base. Il y a le Z, qui est un hybride entre le X et le Y, plus proche du X. Et dans un projet, on pourra être sur le même site avec la même clientèle. C'est toute une gamme, pas juste sur le plan technologique, mais sur le plan éducatif aussi. C'est très excitant pour nous de pouvoir concevoir ce projet. Nous avons eu l'appui de la SHL. NRCan aussi va nous aider. Alors, il y a eu quatre principes de base. Réduire les ponts thermiques, l'enveloppe étanche, portes et fenêtres, récupération, quatre principes de base. Tous sont clairs, sauf futurité, qui est un peu nouveau. Et à partir de là, on regarde les coûts initiaux, les coûts opérationnels, les coûts de remplacement. Et parce que avec les coûts de remplacement, on voulait intégrer certains facteurs, comme Thomas l'a dit. On a dit qu'on peut regarder une fenêtre de 30 ans. C'est quelqu'un qui va garder cet immeuble à jamais. Le gouvernement n'intervient pas. Il vous donne de l'argent pour le construire et pour avoir une hypothèque pour la moitié du coût. Et c'est au client de gérer son propre projet avec les coûts de remplacement. Alors, encore une fois, on a essayé d'utiliser un langage qui nous permette de parler à nos clients parce qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par des solutions haute technologie. C'était des aînés bénévoles au sein des conseils d'administration. Ils voulaient trouver la meilleure enveloppe, les meilleurs poumons pour veiller à ce qu'on ait une bonne mise en service, une bonne façon organisée de vérifier le système après coup. Donc, on commence avec Charette. On a examiné les questions. Il y a eu plusieurs ingénieurs. Frédéric Genet est intervenu dans ce projet, dans beaucoup d'autres. Mais on a eu Kurt Hepti aussi, NR6, qui s'est occupé de simulation avant Charette. Ça ressemble à ce que Christian a fait. Ça vous aide à comprendre, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a jamais juste regardé l'énergie. On a des codes chiffrés pour ne pas être trop détaillés. On a essayé de tout équilibrer. Pour nous, c'était vraiment critique pour nos clients parce que l'énergie seule, pour ce qui est de la prise de décision, ça aurait été une erreur. Alors, on a beaucoup d'unités par mètre carré. Au Québec, il y en a juste 2,40 kWh au mètre carré. Et avec notre modèle, c'était 134. Donc, on s'attend toujours à ce qu'on soit aussi bon qu'heureusement, 40-45% de plus que le code énergie, mais avec une composante énorme côté enveloppe. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Et ceci a changé. Dans le cadre de l'enveloppe, on voulait vraiment faire plaisir à notre client. Beaucoup de ces personnes passent énormément de temps dans leurs unités. Le confort est énorme. Les gouvernements, du côté financier, veulent que ça donne des résultats pour toutes les mesures. Nous avons donc entrepris un calcul très complexe. Nous avons eu des gens de la SHL qui sont venus examiner la question. Donc, le thermoconfort, les fuites d'air, le temps passé à ce sujet,
a été étudié. Vous pouvez toujours utiliser du triple vitrage, mais si vous ne savez pas comment traiter les questions des passerelles thermiques, etc., vous allez passer à côté de tout. Il y a différentes études qui ont été réalisées dans l'ensemble du pays, le remplacement des fenêtres, par exemple. Et nous avons travaillé avec 7% de financement de plus que ce qui était habituel. Et donc, nous avons modifié les conceptions au niveau des fenêtres et avons trouvé des façons typiques, par exemple, non pas d'utiliser le plywood comme au Québec, mais à condition que l'emplacement soit bien choisi. Nous voulions savoir quel résultat nous allions obtenir. Nous avons évalué ce que donnaient les valeurs R et on a essayé de chercher comment changer cela. Donc pour ce qui est des passerelles thermiques, ces passerelles thermiques donnent lieu à des pertes de 10% à 30%. Mais pour moi, ce n'est pas uniquement une question d'énergie, c'est surtout une question de durabilité de l'enveloppe à long terme. Ces gens-là savent vraiment comment modifier une enveloppe. Ça fait des années qu'ils y travaillent et il vaut mieux ne pas se tromper. Ça, c'est important. Les passerelles thermiques sont importantes. Nous avons testé différentes technologies. On n'a pas testé vraiment les choses. Nous avons vu comment les éléments métalliques pouvaient permettre de faire ce genre de construction. Ça, c'est une photo qui a été prise. Nous avons misé sur les barrières thermiques pour que les montants en acier soient abrités. C'est très utile. Regardez à droite. C'est un bâtiment de 13 étages. Vous avez les passerelles thermiques au niveau de l'acier. Et c'est intéressant d'avoir d'avoir un thermomètre à l'intérieur des murs pour mesurer ce que cela donne. C'est ce que nous avons fait pour les linteaux qui appuient les briques. C'est exigé par le code et dans un monde parfait. Vous avez dû préfabriquer isocorbe, mais nous n'avions pas l'argent nécessaire, même si la solution est idéale. Nous avons trouvé un entrepreneur local qui a ses propres techniques pour utiliser de la brique, qui utilise de la brique technique. Ce n'est pas parfait, mais nous voulions savoir en fait comment ça allait fonctionner et nous avons fait un suivi. Les balcons sont un autre problème. Les gens passent beaucoup de temps sur leurs balcons. Dans les logements abordables, il y a de gros balcons, mais nous n'avons pas d'argent suffisant pour appliquer les technologies européennes. C'est-à-dire, ça représentait à peu près 2/3 de notre 7% de financement supérieur. Et on a trouvé des solutions intéressantes sur le plan du génie en bâtiment. Il permet simplement on est passé d'acier à la fibre de verre, pardon, pour ce qu'on appelle en anglais les rebar. Et on avait des mâts, en fait, des câbles en acier pour retenir les balcons en cas de tremblement de terre. Ça donne au moins 15 secondes pour sortir. Il y a un programme Nouveau Climat permet de tester donc l'étanchéité, mais pas sur des bâtiments de plus de 3 étages. Il y a une compagnie très connue au Québec qui fait des essais d'étanchéité et nous avons dépensé $65,000 pour faire une série de tests afin de garantir le rendement des fenêtres installées, tester les
les conduits mécaniques pour aller chercher de l'air frais à l'extérieur. Nous avons testé les corridors, nous avons testé les planchers, nous avons testé toutes les pièces de ce bâtiment. Et nous avions un changement d'air de 0,9 mètres cubes à l'heure. Nous avons donc trouvé un entrepreneur qui a fait notre projet à Rosemont, qui est très fier. Il a même assisté à certaines de mes conférences. Et jusqu'ici, il nous a donné des résultats absolument incroyables. Il a passé tous les tests. Nous avons testé donc tout un bâtiment de 6 étages. Et il a passé tous les tests d'enveloppe, d'étanchéité à l'eau, à l'air, pour les conduits. C'est vraiment excellent. Et le seul problème, évidemment, c'était les fenêtres qui n'étaient pas correctement isolées à l'intérieur du vitrage triple. Vous voyez cela à droite. Donc, nous avons dû remplacer cela. Mais ce sont des fenêtres de qualité. Et c'était plutôt la nécessité de mesurer cela sur place. Et le charpentier a dû se battre avec l'entrepreneur pour régler ce problème-là. Il était très important que nous fassions ces tests. Et donc, en tant que concepteur, nous trouvons en étroite relation avec les entrepreneurs. Vous voyez ici, la partie métallique autour des trois, vous avez des évacuations d'air frais, les évacuations de la laveuse sécheuse, et l'air frais ne rentre pas à proximité de l'air d'évacuation. Nous utilisons des murs solaires pour préchauffer l'air, l'amener d'air avant de l'injecter à l'intérieur. Nous avons également essayé d'éduquer les locataires, les résidents. Vous voyez ici, il y a des détecteurs, des senseurs sur les fenêtres du deuxième étage au sixième étage. Ce n'est pas pour détecter des pénétrations abusives par des voleurs, mais il y a suffisamment 2-3 détecteurs de ce genre à l'étage pour permettre de détecter des ouvertures intempestives des fenêtres qui pourraient déséquilibrer le tout. Et donc, nous avons élaboré un logiciel. Au bout d'un mois, nous avons parlé avec les occupants. Nous avons dit, vous avez des gens au cinquième étage qui affectent la qualité de vie des gens aux étages inférieurs. Et donc, nous pourrions peut-être vous surveiller un petit peu pour voir comment ça fonctionne afin d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. Plusieurs techniques pour étanchéifier les conduits. I think I'll make it. Je crois que je vais y arriver en 5 minutes. Nous avons testé l'étanchéité à l'eau des briques. Nous avons passé beaucoup de temps pour empêcher la surchauffe. Ça peut être un problème avec ce genre d'enveloppe en été. Nous n'avons pas de ventilation croisée dans ces unités. Nous avons donc conçu la façon de bloquer la surchauffe, parce que nous n'avons pas une orientation idéale, nous n'avions pas l'argent pour placer des bloqueurs de rayons solaires à l'extérieur. Alors, il y a évidemment des volets extérieurs qui peuvent être intéressants. Malheureusement, ils bloquent la vue. Comme vous le voyez, on a testé cela dans un bureau. Et nous avons sélectionné des atténuateurs de rayons solaires. Et on a posé des volets extérieurs, ou du moins des bloqueurs extérieurs au même coup. Malheureusement, la plupart des fenêtres
ne sont pas accessibles, qu'on ne peut pas les réparer à partir du balcon. Donc, si on est prêt à investir 40 000 dollars dans un fonds pour s'occuper de la maintenance au cours des 15 prochaines années, ça pourrait être une solution. C'est ce que nous a dit l'entrepreneur. Alors ça, c'est un petit peu bizarre. Vous voyez cela sans les briques autour. Mais de l'intérieur, ça ne bloque pas vraiment la vue. Et on peut améliorer la vue quand on est au nord. Et j'étais sur les sites il y a un mois. Et comme vous le voyez ici, vous avez les persiennes, en quelque sorte, qui permettent de bloquer le soleil. Pour ce qui est de la ventilation, nous n'avons pas pu en parler. Nous avons fait en sorte que ce soit le plus simple possible. Nous avons posé des panneaux qui permettent de chauffer de moins 25 à moins 5. Et à moins 5, ça va dans chaque unité. Chacun a son propre système de récupération de chaleur. Et de moins 5 à plus 15, à ce moment-là, chaque locataire paye pour l'air frais. Mais cela, évidemment, si on ne faisait pas payer, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas soucieux d'économie d'énergie. Donc, nous avons organisé des technologies simples, nous avons simplifié les technologies de recyclage de l'air. Il y a un entrepreneur qui a dû engager 3 agents censés faire la préparation pour toutes ces mesures vertes sur site. Ça a coûté environ 35 000 dollars, ce qui veut dire que lorsqu'on fait du logement social par le biais d'un appel d'offres, on n'a pas forcément les gens des entrepreneurs qui vont être assez soucieux de rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'il faut engager des équipes sur le côté. Ça a été une excellente expérience. Nous avons pu contrôler ce qui se passe au niveau des unités pour l'énergie, pour les économies d'énergie, pour également la climatisation. Ici, vous avez M. Tardif qui est sur place, mon collègue. On a placé des senseurs sur place, des détecteurs. Nous allons faire du relevé de données pendant un an pour voir pas uniquement ce qui se passe du côté de l'énergie, mais du côté de l'ensoleillement, du confort, etc. Il y a quelques rapports qui sont disponibles par le truchement de la CHL. Il y en a d'autres qui seront produits. Nous espérons continuer à inspirer le monde du logement communautaire au Canada. Thank you, Daniel, for that excellent presentation. Merci, Daniel, pour cet excellent exposé. Nous avons maintenant le temps pour des questions. Merci beaucoup pour cet exposé. Au Manitoba, la majorité des logements sociaux ou abordables sont propriété du gouvernement et nous envisageons de transférer tout cela aux communautés, aux collectivités locales. Et par le truchement, non pas d'un organisme extérieur, mais de le remettre directement dans les mains des villes. Et c'est un petit peu difficile de voir la différence de toute façon entre les deux, mais enfin, peu importe. Dans votre premier exemple, c'était la ferme Benny. Vous avez dit que vous avez créé une organisation communautaire autour de ce projet. Est-ce que vous avez repris cela dans les autres modèles? Est-ce que c'est une pratique exemplaire? Petite précision. Les 3 projets de logements sociaux abordables, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle Accès Logis, qui donne l'argent pour acheter les la terre, pour bâtir le bâtiment, pour faire la construction. Et donc, c'est la coop ou un organisme sans but lucratif qui le possède. Le gouvernement n'intervient pas dans la gestion. Dans le cadre de la ferme Betty,
On s'est dit que nous allions produire plus d'énergie que nécessaire et régler et commencer à vendre l'énergie à la collectivité pour alimenter les autres bâtiments afin de partager les économies à long terme pour faire de l'éducation aussi des occupants. C'est un petit peu comme une fiducie de propriété du terrain. Et vous avez des experts sur le côté. Vous avez donc toujours un équilibre. Et ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui sont sur place. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous faites, mais les logements propriété du gouvernement Ottawa nous permettent d'aller chercher un petit peu d'argent par ce système que j'ai expliqué. Et les gens qui ne s'occupent pas, qui ne sont pas propriétaires des bâtiments ne s'en préoccupent pas autant au niveau de l'entretien. Quand les gens sont conscients de ce que ça représente, parce qu'ils sont propriétaires, à ce moment-là, ils s'occupent vraiment des bâtiments. Et à Toronto, la seule différence, ce n'était pas technique. C'était plutôt... Il y avait une image de bidonville qui était rattachée au projet de Toronto. C'est difficile à renverser cette perception. Alors, les enjeux vont bien au-delà des solutions techniques. More questions? I have a question, Danny. Moi, j'ai une question à poser. Vous avez fait ressortir deux choses qui rejoignent un petit peu ce que disait Matthew, c'est-à-dire la durabilité à long terme est importante pour ces projets, surtout pour les clients, et les réussites à long terme dépendent en fait de la participation des résidents, comme vous l'avez dit. Alors comment s'assurer qu'on va miser sur cette étape, parce que effectivement vous investissez beaucoup au début, vous avez une modélisation, vous recherchez un véritable rendement à terme, vous cherchez à bâtir un bâtiment à haut rendement, et cela c'est déterminant dans la réussite à long terme. Quand vous êtes professeur, vous êtes dans une entreprise bien connue, vous devez évidemment joindre le geste à la parole. Et dans le cas de Rosemont, j'y retourne une fois par année pour vraiment tirer les enseignements. J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'avenir avec toutes les techniques qui interviennent. J'espère, dans ce projet, ce prochain projet général, en fait, à caractère général, d'élaborer un manuel que les gens comprendront facilement dans l'accueil des occupants. Pas, autrement dit, pas uniquement au début du projet, mais dans la durée, dans le temps. Il va falloir que les concepteurs indique aux gens comment ils vont devoir utiliser le bâtiment. Il va donc faire un suivi dans le temps. Parce que on ne va pas envoyer un enfant de 10 ans vivre tout seul. Il faut l'éduquer, il faut lui apprendre comment on vit dans une maison. Il faut du mûrissement. Et c'est un petit peu la même chose dans le domaine des bâtiments communautaires. Il faut du temps pour apprendre. Et il faut que cette éducation fasse vraiment partie de la psyché collective. Alors, je sais que vous avez hâte de passer au repas. D'autres questions? Bon, ça va? Très bien. Alors voilà, nous sommes au terme de cette séance. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que les participants veulent
nous faire part de leurs projets, à moi ou à Christian? Est-ce que vous voulez que l'on parle d'idées que vous avez au sujet du logement durable qui pourrait faire l'objet d'un projet dans l'avenir? Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont présenté leurs produits aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir participé à cette session. Merci à ceux qui sont en ligne également. Nous avons une rencontre qui nous apporte beaucoup. Nous allons avoir une autre session tout à l'heure avant de lever la séance. S'il vous plaît, dans la feuille d'évaluation, indiquez-nous aussi les projets qui vous intéressent dans l'avenir. Cela nous aidera à la planification. Veuillez prendre note que toutes les exposés sont affichés sur le site web du SCHL. La prochaine séance aussi sera sur le site web. Nous ajournons maintenant pour quelque chose de très important, qui est le repas.